le 81 SS et Anthony Morin. Maintenant au championnat, le 16 Y, c'est Yannick Duquet, le 19 ET. Et c'est lui, le 81 SS, qui connaît le meilleur de part. On est 3-4 jeunes de l'âge. Et tous les jeunes de Saint-Denis de Anthony Morin. Et on est plus proche de pour le 551. Ah, Alicia Vidalou, le l'échappé du âge, mais on a réussi à rester à l'intérieur. Et on a le 19 ET, c'est Samuel Duquet, le partenaire de Kelly. Donc ça, dans cette période-là, c'est des jeunes de 13 à 17 ans. Et il va falloir être accompagné d'un adulte de 21 ans et plus. Et c'est vraiment de plus en plus compétitif là-dedans. C'est ouvert à tout le monde, vous pouvez l'essayer ça. Yannick Duquet, qui n'a pas 13% sur dans un obstacle, c'est juste un erreur sur ce point-là. Notre honneur, le 81 SS, qui a servi de l'utiliser, semble très bien aujourd'hui sur ce défi, et puis tout est dans le cadre possible, il y a. Mais là, on a ce canada, on va en avant, et en deuxième, c'est le 551A, Alicia Sidago. On n'est pas loin là, pour Roger. On est dans le quatrième, mais on est très proche de la troisième là, pour le 45A, Isaac Auger. On l'a pas fait encore, on le fait, comme alors. Oui, ben, oui, tu peux être ici proche, on le fait, c'est la description. Donc, c'est un petit peu. Et là, regardez, c'est la ligne de départ. Les modifiés et les 350 font leurs apparitions sur le circuit. Et là, le circuit est dur et rapide, ça va être hâte de voir aller ça. Anthony Morin qui vit, va être à la de l'Église bien sûr pour la course du 9 septembre. On espère voir encore ici le 7 octobre pour la finale du championnat de la nuit de course de dos à sac. Finale du championnat du mois de juin, Babouazor, Cannes d'Excavation et Dumas, qui est le futur 26 pièces auto. Hugues va chercher la victoire, on sort main droite, main gauche pour applaudir le 81 SS, Anthony Morin va chercher la victoire. Je viens de chercher la deuxième, le 551, Alicia Pilodo. On vient de chercher la troisième, et on travaille fort jusqu'en fin, le 45A, Isaac Auger vient chercher la troisième.